Bonjour ma petite sœur, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo du coup. Mais la vidéo de Whipbox que je viens de recevoir ce matin. Enfin ce matin, cet après-midi du coup, on va s'ouvrir ça. Déjà elle est à l'envers, regardez qu'elle est belle. Une petite dame avec un livre. Une petite bibliothèque juste derrière, là c'est blanc. Elle est belle et du coup comme toujours elle s'ouvre comme ceci, c'est un petit clips. Là on a le papier comme quoi oh. Désolée mais je tousse toujours, ça n'arrête pas. Bah, c'est la box de deux livres, de deux les petits livres. Vous voyez que c'est joli. Du coup quand on ouvre, hop hop, oh, je l'ai déposé juste à côté. Du coup, on a deux marque-pages comme la box, comme ceci. Hop. Et derrière, on sait toujours écrire les votations. J'ai mes mains un peu rouges de votre livre. Alors, je vois un petit carnet 2020 qui est marqué. Hop. Comme ceci. Et c'est un agenda comme ceci. Hop, dedans. C'est petit pour moi. Mais peut-être pour programmer mes vidéos, ce sera peut-être bien. Du coup, il est tout orange comme ceci. Avec petit colibri. La box de livres personnalisé. Lepetitcolis.com. Voilà. Alors, l'autre goodies, il est tombé. J'ai vu le petit marque. C'est un bic comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est juste ici, quelque part. Hop, 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 hop. Il ne veut pas faire le focus. Enfin, il est marqué le petit colis. C'est un bic. C'est un bic. Je ne sais pas quelle couleur il écrit. Il écrit bleu. C'est bien ça. On va déjà mettre sur le bureau. Et ce qui nous intéresse, c'est ceci. Voilà, il est toujours emballé comme d'habitude. Ça ne change pas. Je pensais qu'ils allaient changer pour la nouvelle année, mais non. Ils avaient parlé de faire un petit pochon. Du coup, il y a un petit livre et un gros livre. Du coup, on va commencer par le petit livre. Oh, je l'ai déjà. Tant pis. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grede. Roman journal pixel. Voilà comme il est. Oh, il est tout beau. Je venais de l'acheter. Pas grave, je vais peut-être le faire gagner si ça intéresse quelqu'un. Du coup, le petit résumé est assez long. Alors qu'un bébé se réveille en sursautant dans un avion qui atterrit au cœur des montagnes. Ennuyée, elle se demande qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette galère. Elle explique. L'explication est fait très simple. Elle est fait de retour le cerveau par sa meilleure amie. Tourner le cerveau. J'ai un truc qui me gêne. Le cerveau par sa meilleure amie. Voilà, coincé pour 2 semaines dans un chalet censurel parmi ses amis très fêtards. Le jour de fête coule le champagne à flot, tout ce qu'elle déteste. Tout ce que donc est son cœur combassé, c'est tout, car bosser n'est pas besoin. C'est au moins le programme du départ. Une fois arrivé, bébé apprend qu'elle tempête, une tempête cloue tous les avions, au seul qu'elle sera seule dans le chalet ultra destiné. Que faire ? Sauf que la dernière de la porte ambulance n'est plus tamisée que prévu, ou bien moins solitaire. Une blonde aux yeux
vert, bien trop beau pour être vrai. C'est à préparer des Saint-Jacques et attendre. Il est décidé de faire avouer tout le secret pour être qu'elle va adorer ça. Voilà, c'est ce petit livre. Je ne sais pas combien de pages. 200... Ouais. 258. Voilà, 258 pages. Voilà, on va dire 300 pour un rond. Oh non. Voilà. Ouais, presque 300 pages. Voilà. Et le deuxième, il est un peu plus gros. Je ne le vois pas. C'est pour me sauver l'amour à une fuite. De Hugo de Poche, édité Marie-Paul Calmutin. Je ne connais pas. Il a l'air bien. L'écriture a l'air bien. Maintenant on verra. J'espère qu'il n'y a pas de suite. Ça c'est autre chose. Ça n'a pas l'air. Il n'est pas marqué numéro 1. Voilà. Et combien de pages? Quand on y est. Comme on y est. 557 pages. Voilà. Il a l'air très beau. J'aime bien le monsieur sur la couverture. Oh, j'adore. Alors, pour sauver, depuis le drame qu'il a prolongé dans le coma de plusieurs semaines lorsqu'elle était adolescente, Samira Bey a besoin d'aller toujours plus loin pour se sentir vivant, adoptant de la course à pied, cachant sa fragilité derrière sa façade, éclubérant, elle enchaîne des paris avec des garçons pour tenir le rythme sensible. Ces derniers ciblent No Wang Tai, c'est un nom, mais ténébreux briquet qui feront la même université que des noms bizarres. Et bien décidément, elle fait tomber dans les filets en un mois. Elle elle ignore, c'est que nos vents, c'est lui aussi manque part de vie et qu'elle le pousse sa moto à telle vitesse que c'est pour être la vitesse, c'est peut-être pour le laisser derrière lui. Un passé tout aussi gratifiant de lui-même. L'amour est une fuite. Non, l'amour n'est pas une fuite. Il faut pas fuir pour l'amour. Il me tente. C'est de cette personne. Je ne sais pas si vous allez vraiment la voir. Il faut qu'il veut bien faire sur son visage. Pas sur les détails à côté. Il veut pas. C'est une jeune femme, grande admiratrice de fantasy. Le cœur des millions de lecteurs. Ouais. On va voir ça. Ce sera dans mes prochaines lectures. Je ne sais pas si je vais le lire bientôt ou pas. Voilà. Et en plus, il y a des chapitres avec les noms. Je ne sais pas si vous allez voir le nom. Là. Le premier. Non, vous n'allez pas voir. Les noms un peu bizarres. Moi, c'est juste ça, les noms qui m'ennuie un peu. Ben voilà ce qu'on a eu. Celui-là je l'ai en double. Regardez, hop, vous le voyez là, il est juste à côté de moi normalement. Voilà. Hop. Et voilà le deuxième. Voilà. Ou je le fais gagner ou je le mets à la vente. Je sais pas encore. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Voilà, et celui-ci était à 7,90 au prix, et celui-là à 8,50. Voilà, ils sont trop beaux. Voilà, ce sera à rajouter. Voilà, et le petit goodies, le carnet, enfin agenda, et le bic.
voilà pour cette box qui est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications en temps et en heure que je mets la vidéo. Souvent c'est à 7h du matin, parfois après-midi, ça dépend comment ça se... que je les mets, mais souvent c'est 7h du matin, je les mets la veille avec un horaire et comme ça automatiquement elles sont mises. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel livre que vous avez envie de lire, voilà, ou lequel que vous avez déjà lu peut-être, dites-moi en commentaire. Voilà, ça me fait plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.